on était sur un élan du MTF chaque année. Et puis il y a eu le Covid qui nous a un petit peu brisé cet élan. Et maintenant, nous reprenons de plus belle. Et je suis très heureux que l'on puisse avoir autant de monde, que l'on puisse se retrouver, que l'on puisse aussi avoir des intervenants de qualité, que ce soit des ministres marocains, des ministres de l'étranger, un prix Nobel, des gens de la Banque mondiale à Washington, beaucoup d'intervenants qui vont enrichir le débat. Alors pourquoi le sujet ? Le sujet, c'est très simple. Il y a eu un discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a provoqué ce qu'on a appelé une sorte de révolution silencieuse en matière de couverture et de dignité des Marocains, la couverture universelle maladie et santé, le système de retraite, l'indemnité pour perte d'emploi. Et tout ça, c'est un grand chantier qui va concerner plus de 22 millions de Marocaines et de Marocains. Et il y a eu bien entendu aussi le transfert de 10 millions de ramédistes vers le régime universel de la CNSS. Et donc tout ça nous a amené à nous poser un certain nombre d'interrogations sur le financement, sur la gouvernance, sur la digitalisation, sur le rôle de l'État, sur le rôle des autres instances, sur les possibles difficultés et les écueils. Et à la suite de ça, nous avons organisé ce qu'on a appelé un workshop stratégique qui a réuni un certain nombre d'intervenants du HCP, de la CNSS, du ministère des Finances, du budget, des sociologues, des universitaires, des académiciens, des gens du monde de la finance, du monde associatif. Et on est sorti avec trois panels qui vont traiter du sujet. Le premier panel, c'est un État au chevet du citoyen face à l'adversité, c'est-à-dire le rôle, on est passé du rôle de l'État, je dirais, providence, État-nation et maintenant État social. Le deuxième panel, c'est les politiques publiques efficientes, les problèmes de convergence entre les différences politiques, la vision de l'État, ce qu'il veut atteindre. Et le troisième, c'est le défi de la digitalisation et du financement, puisque ce sont des défis, ce sont la couverture sociale coûte. Et donc comment on va la financer, quel est le rôle du citoyen, quel est le rôle de la société civile. Et on a mis le doigt aussi sur une question de la prévention, c'est-à-dire la santé primaire, en tant que solution peut-être, parce que si vous ne détectez pas une hypertension ou un diabète, eh bien ça peut se traduire par de l'hémodialyse qui est beaucoup plus coûteuse. Et donc la santé primaire est importante. J'espère que cette journée répondra à toutes ces questions. Comme d'habitude, nous sortons un livre blanc qui reprend ces recommandations, ces propositions et ces analyses qui sont faites, qui est portée donc aux différentes instances concernées. Je me réjouis aujourd'hui de participer, de prendre part aux travaux de cet événement-là, un forum qui est placé sous le thème de l'État social. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans pas mal de discours, il a insisté sur l'État social, le chantier social, essentiellement la protection sociale. Aujourd'hui, la trajectoire étant bien sûr déterminée, le Maroc est sur la bonne trajectoire. Certes, il reste encore du chemin à faire, parce qu'en fait, l'État social, ce n'est pas seulement un concept de solidarité, mais aussi de l'action. Ça ne doit pas rester seulement une promesse, mais ça doit passer bien sûr à la concrétisation. Nous sommes au tout début. Nous tablons sur, bien sûr, une génération de la protection sociale, parce que nos aspirations aujourd'hui, c'est aller vers une prévention sociale, ne pas rester sur la protection sociale. Mais effectivement, on est en train de créer au gouvernement des filets de protection pour les parties, les couches les plus vulnérables, en instaurant quand même une assurance maladie qui est généralisée. Aujourd'hui, l'arsenal juridique, il est au complet. 29 articles qui ont été bien sûr publiés dans ce sens pour essayer d'englober pratiquement toutes les couches, les catégories des populations. Incessamment, il y aura bien sûr les allocations familiales qui rentreront en vigueur. Et aussi, on se penchera aussi sur tout ce qui est perte d'emploi et également les allocations pour le régime de retraite. Voilà, donc il y a déjà un travail qui a été fait. L'État est en train de se pencher sur un meilleur dispositif de ciblage à travers le registre national de population et à travers le registre social unifié. Mais il y a quand même encore du chemin, parce que c'est un phénomène qui, encore faut-il le dire, c'est un phénomène qui est dynamique. Il est dynamique parce qu'il y a des défis de taille qui restent à relever, notamment nous sommes face à une médecine qui change de jour en jour, donc l'assurance maladie doit suivre, le coût des soins deviendra exorbitant avec les progrès technologiques, il va falloir bien sûr trouver quand même un système de financement qui suit bien sûr un peu les progrès technologiques et développer en parallèle une certaine résilience en travaillant sur la prévention et sur la réduction des risques en santé. La dimension humaine, elle est très importante, le monde entier souffre quand même de la pénurie des ressources humaines médicales ou infirmières.
Le Maroc est en train de travailler dans ce sens. D'ailleurs, il y a certaines actions ont été déjà menées par rapport à l'augmentation du nombre de lauréats et réduction, bien sûr, du nombre d'années d'études parce que la technologie le permet aujourd'hui avec les outils dont nous disposons. Mais en même temps, multiplier les centres de formation, c'est la raison pour laquelle Sa Majesté dans la loi cadre avait bien sûr indiqué qu'il faudrait quand même qu'il y ait un CHU par région, chose que le gouvernement aujourd'hui est en train, bien sûr, d'asseoir. Et donc, avec ces deux actions, on va pouvoir éventuellement arriver quand même à un taux, un ratio qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé à l'horizon 2025, qui serait quand même de 2,25 ressources professionnelles de santé par 1000 habitants, une densité de la population, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 1,7. Et si on reste quand même sur la même dynamique et la même cinétique, en 2030 on sera quand même à 4,25, ce qui est recommandé par les objectifs de développement durable. Notons plus parce que parmi les lauréats aujourd'hui que nous avons aujourd'hui, il y a quand même pas mal de ressources médicales qui quittent le Maroc aujourd'hui parce qu'ils sont convoités par d'autres pays qui offrent un statut qui est soi-disant intéressant. Nous sommes en train de travailler sur le statut intéressant, rendre encore la fonction sanitaire très attractive. La loi vient d'être publiée dans le bulletin officiel, entrera en vigueur dès la publication des décrets d'application et bien sûr qui apporte quand même des solutions à certaines réponses, notamment une incitation, une rémunération à l'activité, des indemnités d'éloignement et aussi quand même un régime de garde d'astreinte très rétributif. Voilà.
Le sujet est intéressant. Le sujet a été initié depuis un certain moment sur le nouveau pacte social au niveau du Maroc. Ce nouveau pacte social, nous avions commencé par des idées, nous avons commencé par des réflexions. Actuellement, on a mis en place un certain nombre de mécanismes, d'outils, adopter des lois cadres. Mais je pense que le processus n'est pas encore huilé, comme on dit. Et ce processus huilé nécessiterait un peu plus de, premièrement, l'évaluation de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je dirais, depuis 1999 jusqu'à présent, il y a eu quand même des grands projets, des grandes stratégies, des grandes réflexions. Et donc, remettre ça en harmonie, en cohérence, de manière à avoir l'impact nécessaire sur le quotidien du citoyen marocain. Le quotidien du citoyen marocain, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à l'éducation, c'est aussi l'accès d'une manière sécurisée à la justice. Et donc, je pense que ces éléments nécessiteraient de notre part ce que nous avons élaboré dans notre rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en 2022, c'est c'est l'évaluation de tout ce qu'on a fait comme politique publique de manière à premièrement inscrire les points positifs, mais aussi d'être très très attentif aux points négatifs qui nous permettent de ne pas avoir cet impact sur le quotidien du citoyen. Le Maroc a fait deux pas géants en avant par rapport à l'édification d'un État social. Il y a des projets structurants qui ont été érigés sous le leadership de Sa Majesté, aussi bien la décentralisation accompagnée d'un processus de concentration qui se fait. Il y a également des projets qui sont innovateurs comme l'INDH et comme le modèle de développement des provinces du Sud, comme également le modèle de développement des zones un peu enclavées. Donc tout cela, ce sont des bonnes pratiques importantes. Maintenant, il y a tout le chantier de généralisation de la
couverture sociale et médicale. Donc il y a, si vous voulez, une dynamique qui s'est mise en place, mais une dynamique avec bien sûr des défis, et ces défis-là sont importants, il faut les relever. Je pense que le premier défi, c'est la convergence des politiques publiques en matière de développement. Donc cette convergence, il faut essayer de faire face en finissant, si vous voulez, en terminant tout le projet de déconcentration, parce qu'il y aura des décisions au niveau local, et comme ça, le travail de coordination qui se fait au niveau local, au niveau régional, se fait avec des décideurs, comme ça on prend des décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, il faut qu'on procède à la programmation de la loi de finances en fonction de programmes et pas seulement d'activités. C'est-à-dire des programmes avec des objectifs bien déterminés, avec des indicateurs, avec des milestones. Et ces programmes-là seront, si vous voulez, multisectoriels et également multispatiaux, dans le sens où on a, si vous voulez, des objectifs spécifiques à des régions bien déterminées, mais qui englobent toute une multitude d'actions qui sont complémentaires entre elles. Donc ça nécessite quand même un travail au niveau de la loi de finances, ça nécessite un travail également en aval au niveau de la coordination de ce travail-là pour arriver, si vous voulez, à un développement social et un développement humain qui est basé pas seulement sur les inputs, mais également sur les outputs, sur beaucoup plus de résultats. La deuxième des choses, c'est beaucoup plus de participation des citoyens, c'est-à-dire tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant en termes d'édification de l'État social, c'est nous, les élites, que ce soit des élites nationales, des élites locales, qui disons voilà ce que veulent les citoyens. Mais il faut aller vers les citoyens, il faut avoir le feedback des citoyens, il faut qu'il y ait le community monitoring, il faut qu'il y ait, si vous voulez, l'attention, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une participation beaucoup plus effective et efficace des citoyens en disant quels sont leurs besoins, quels sont également, qu'est-ce qu'ils pensent des projets de développement. Il faut que ça soit participatif, il faut qu'il y ait un budget participatif, et c'est également une planification qui est participative avec une participation des citoyens. Si on va dans ce sens-là, on va garantir bien sûr la soutenabilité et la durabilité de ce genre de projet. Et il faut également revoir tout l'arsenal de la gouvernance, qui est en charge de quoi, parce qu'on a éparpillé les efforts entre différents acteurs du social, et ça a produit que tout le monde est responsable et personne n'est responsable. Donc cette responsabilité, il faut la regarder, il faut revoir la gouvernance pour avoir une meilleure gouvernance de l'action sociale. La sixième édition du Morocco Today Forum, qui porte sur le parachèvement d'un État social, est une édition, on peut dire, qui
tout comme les autres éditions, est connecté à la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Est-ce que Sa Majesté, que Dieu l'assiste dans tous ses discours, n'a de cesse d'aborder la question du citoyen en tant que contributeur ou en tant que récipiendaire. Récipiendaire de ses services publics de qualité pour qu'il puisse effectivement jouer son rôle de contributeur au développement socio-économique. Un des traits saillants de cette sixième édition, c'est le triptyque des trois sans, S-A-N-S, sans complaisance, sans complexe et sans regret. Sans complaisance dans le sens où l'ensemble des intervenants se sont prêtés à l'exercice de pointer avec en toute transparence les défaillances, les insuffisances qui font que on est encore dans ce parachèvement d'état social. Sans complexe, parce que il a été donc la question de l'état social, des politiques sociales, a été débattue de façon à proposer des solutions qui prennent en considération le contexte, les caractéristiques et l'ensemble, il faut dire, du cadre d'une vision systémique du Maroc. Et sans regret, c'est qu'effectivement, on a procédé à une sorte de réflexivité pour aussi voir ce qui a marché et essayer de capitaliser sur l'ensemble des initiatives qui ont marché. Aussi, il faut dire que la thématique de cette année est une équation assez complexe, dans le sens où il y a plusieurs variables, acteurs, actions et résultats. Et bien sûr, résoudre cette équation revient, c'est-à-dire du point de vue de l'ensemble des intervenants, à construire de façon réussie une matrice qui émanerait d'une fertilisation croisée entre acteurs, actions et résultat à impact dans le sens où c'est-à-dire l'ensemble de ces acteurs, secteur privé, secteur public, tiers secteur, devraient adopter l'approche de la fertilisation croisée fondée sur une intelligence collaborative. Aussi, deux ingrédients essentiels pour effectivement le parachèvement de cet état social, c'est l'humilité d'écouter, d'apprendre et de comprendre. Et aussi la confiance à établir entre l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs publics, privés, tiers secteurs, pour pouvoir travailler sur des initiatives qui seraient convergentes et intelligentes.